Je l'apporte. Une crise cardiaque. Mon pauvre vieux. C'est Franck qui est là. J'ai vu par le carreau, en montant, j'ai vu un homme par le carreau. Je l'ai vu. Il était lumineux. On leur a dit qu'il était en feu. Il avait placé sous une espèce de gros tube de fer. Je te jure que c'est vrai. Vous feriez mieux de me laisser faire. Dégagez, c'est moi qui m'occupe de lui. Envahisseurs, avec Roy Thinnes dans le rôle de David Vincent. Les envahisseurs, ces êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, en faire leur univers. David Vincent les a vus. Pour lui, tout a commencé par une nuit sombre le long d'une route de campagne, alors qu'il cherchait le raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée, par un homme que le manque de sommeil avait rendu trop las pour continuer sa route. Cela a commencé par l'atterrissage d'une soucoupe volante venant d'une autre galaxie. Maintenant, il sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine. D'une façon ou d'une autre, il sent qu'il doit convaincre le monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Jack Lord, Alfred Brider et Diana Hyland sont les autres interprètes de l'épisode d'aujourd'hui, Vicor. David Vincent a lu dans les journaux comment un installateur de ligne téléphonique a, juste avant de mourir, déclaré à son camarade d'équipe qu'il avait vu un homme lumineux dont le corps semblait en feu. La police fit une enquête et l'affaire tomba vite dans l'oubli. Résolu une fois de plus à découvrir la vérité, David Vincent s'est rendu à Fort Scott, en Floride, où se trouve la direction des entreprises Vicor, lesquelles servent peut-être aussi de quartier général à ces envahisseurs venus d'un autre monde. Comme si ça n'était pas suffisant.
Il faut que le second ouvrier meure aussi à présent. Il s'agit d'un accident du travail, monsieur Vicor. Ce sont des choses qui arrivent. Peut-être, mais je ne veux plus d'accident. Vous avez compris? Je commence à en avoir assez de leurs interrogatoires. La police semble satisfaite. Eh bien, pas moi. Écoutez, monsieur Lexus. Un assassinat ne m'a jamais dérangé, mais j'ai la bêtise en horreur. Qu'est-ce que vous auriez voulu que nous fassions, alors? Rien du tout. Car personne ne l'aurait cru, de toute manière. Que va-t-il se passer si jamais un cas similaire se représente? En toute sincérité, j'espère que cela ne se reproduira pas. Mais si c'est votre conscience qui vous tracasse, alors dans ce cas... Je vous ai dit les raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Je vous le répète, il s'agit de votre conscience. Essayez de vous rappeler l'immense portée de notre œuvre et la façon dont vous vous y êtes engagé. Le président va décorer sous peu le sergent Vicor. Quelquefois, je me demande si cela vaut le coup. Vous me présentez l'affaire sous un jour flatteur, certes. Mais qui me dit que vous respecterez votre part du contrat? Qu'est-ce qui me le prouve? Vous aurez toute la puissance, tous les pouvoirs, toute la force que vous pouvez souhaiter, je vous en donne ma parole. Je vous ai dit que je ne voulais pas être dérangé. Qui ça? Je le prends. Allô, sergent, un nouveau problème? Elle n'est pas blessée? Oui, je sais. D'accord, j'arrive tout de suite. Je vais vous demander de m'excuser. C'est au sujet de ma femme. Elle a eu un petit ennui. Je n'en ai pas pour longtemps. Prenez votre temps, monsieur, je vous en prie. Monsieur? Je cherche du travail. Actuellement, il n'y a pas d'embauche. On n'engage personne jusqu'à nouvel ordre. Si vous voulez quand même laisser vos noms et adresses. Oui, Daniel Baxter. 4 allées des Marronniers à Fort Scott. Oh, même un emploi modeste, je ne suis pas difficile. Vous avez votre permis de conduire? Oui, bien sûr. Il se pourrait que sous peu, on ait quelque chose. Je vous ferai signe. Entendu. Merci beaucoup. Je suis Georges Vicor. Il paraît que ma femme est ici. Si vous voulez bien me suivre. Ben, elle roulait à plus de 150 à l'heure quand nous l'avons arrêtée. C'est la seconde fois en moins d'un mois. Est-ce que vous allez l'inculper? Ben, elle était aussi en état d'ivresse, j'en suis à peu près certain. Voyez ce que vous pouvez faire, sergent. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu trouvais le temps long, encore une fois? Tu t'ennuyais? Oh, Georges, je n'ai bu qu'un peu de vermouth et de gin. Oh, Georges, s'il te plaît, je voudrais que tu me dises. Qu'est-ce qu'on va me faire, Georges? Est-ce qu'on va me mettre 30 jours dans une jolie prison avec de jolis petits bars? Jackie, voyons, qu'est-ce qui ne va pas? Tu aurais pu te tuer tout à l'heure. Me tuer? Oh, Georges, j'ai pas de raison de faire ça. Est-ce que je n'ai pas, voyons, tout ce qu'une femme peut souhaiter au monde? Enfin, je veux dire, j'ai une belle maison, de belles robes et toute la belle chose qu'on peut s'offrir avec du bel argent. Et tu vois, dans le temps, j'avais même un mari. Tu n'es pas juste. Allons, viens, il faut que je rentre à l'usine. Bon, bien, va-t'en, rentre à l'usine et passe me voir demain, c'est Jackie, sois raisonnable. Alors, j'ai dû quitter une importante conférence pour venir ici. Et alors, je croyais que t'étais le patron. Oui, je suis le patron, parfaitement. Et je dois faire preuve de discipline, comme les autres. J'ai plusieurs centaines de personnes qui travaillent pour moi. Et sous peu, j'en aurai le double. Un jour, je t'offrirai le monde. Rien que toi et moi, ça me suffit largement. Tout est arrangé, monsieur Vicor. Merci, sergent. Je vous suis bien reconnaissant. Allez, bien, rentrons. Pas de jolie prison?
Votre mari a beaucoup de relations influentes, madame, mais ça pourrait ne plus jouer la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois, sergent. Ma femme ne fera plus de voiture pendant un certain temps. Comment je ferai plus de voiture? Et comment est-ce que je circulerai alors? En hélicoptère? Contente-toi de me laisser faire. Je suis Daniel Baxter, le nouveau chauffeur. Je voudrais voir Madame Picor. Je vais voir si elle peut me recevoir. Entrez. Il y a ici un certain Monsieur Baxter. Il dit qu'il est votre nouveau chauffeur. Quoi ? Monsieur Baxter? Oui, madame. Mon maître d'hôtel me dit que vous êtes mon nouveau chauffeur. Oh, monsieur Vicor ne vous a pas téléphoné? Non, il ne m'a rien dit du tout. Alors, je pense qu'il va le faire. Il m'a engagé il y a une heure. Il y a certainement, monsieur, un malentendu. Monsieur Vicor, je vous prie. Je trouve que c'est parfaitement ridicule. Je n'ai absolument pas besoin d'un chauffeur. Allô, Madame Vicor, est-ce que mon mari est là? Et vous l'attendez bientôt? Non, non, ça ne fait rien, merci. Nous devons déjeuner ensemble, je le verrai tout à l'heure. Dois-je vous conduire à l'usine? Je suis parfaitement capable de conduire ma propre voiture, merci. Je le sais, madame, mais Monsieur Vicor m'a donné les clés. Je ne dois vous les remettre sous aucun prétexte. Vraiment? Oui, madame. Ah, c'est comme ça. Eh bien, avancez la voiture devant la porte. Je suis prête dans un instant. Bien, madame. Attendez-moi, je n'en ai pas pour longtemps. Bien, madame, je peux visiter un peu. Bien sûr, vous n'êtes jamais venue ici? Si, lorsque je me suis présentée, qu'on m'a engagée. Viens aller où vous voudrez, excepté dans ce bâtiment. Aucun étranger n'y est admis. Appelez Chicago et dites-leur que je ne pourrai pas venir. J'ai l'impression que je ne pourrai pas me libérer à temps. Alors? Pardonne-moi, chérie, je sais que tu es un monsieur fort occupé, que je suis en avance. Très en avance, mais il y a une chose dont je voudrais que nous discutions. Le nouveau chauffeur?
Reconnais avec moi que c'est absolument ridicule. Écoute, Jackie, figure-toi que je t'aime par-dessus tout. Et que je ne tiens pas du tout à te perdre dans un accident de voiture. Georges. Ou à te reprendre au poste dans la cellule des ivrognes. Écoute, chérie, tout c'est ridicule. Oui? Bien, dites à M. Nexus que je le verrai dans une minute. C'est un de mes nouveaux actionnaires. Il n'est ici que pour quelques jours et tu comprendras que je ne peux pas le faire attendre. Pourquoi donc? Mais parce qu'il est très important. Mais toi aussi, tu l'es. Oui, bien sûr. Mais cette fois, il s'agit d'une opération sans précédent. Je veux y mettre le gros paquet. Ces gens peuvent faire de moi l'homme le plus important, le plus influent du... Du cimetière. Genre, je ne te comprends pas. Ces gens-là sonnent, tu te précipites. Ces gens, qui sont-ils par rapport à toi? Qu'est-ce qu'ils sont? De nouveaux actionnaires, je te le répète, très importants. Ils sont venus. Je craignais. Madame Vicor, je commençais à craindre que vous ne m'ayez oublié. Venez. Qu'est-ce qui se passe? Demandez-le lui, monsieur. Il dit qu'il est le chauffeur de Madame Vicor. C'est tout à fait exact. Il a pénétré dans l'usine avec Madame Vicor à 11h47. À 11h57, on l'a trouvé dans le secteur interdit. Que faisiez-vous là-bas? Je cherchais votre bureau, monsieur. Mon bureau n'est pas dans ce bâtiment, vous le savez. Vous y êtes venu ce matin. Je vous fais mes excuses, je me suis perdu, tous ces bâtiments se ressemblent. Je cherchais Madame Vicor pour lui dire que j'allais aller faire le plein d'essence quand toute une armée m'est tombée dessus. Jackie, veux-tu m'excuser deux minutes? Georges, je crois qu'il vaut mieux annuler notre déjeuner. Voulez-vous me ramener à la maison? Nous ne le garderons pas longtemps. Je préfère m'en aller tout de suite. J'ai dit que nous ne le garderions pas longtemps. Bon, allez-vous-en. Je l'ai interrogé longuement ce matin, ce n'est pas un chauffeur professionnel, j'en suis à peu près sûr. S'il appartenait au FBI ou au service secret de l'aviation, il ne serait pas fait prendre aussi facilement. Si vous ne faites pas confiance à mon jugement, vous n'avez qu'à l'interroger vous-même pour savoir qui il est et pourquoi il est ici. Ce sera comme vous le voulez, monsieur Vicor. Est-ce que je peux rentrer la voiture au garage? Non, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que je vous offre? Rien, merci. Vous avez menti au sujet de l'essence. J'avais fait le plein moi-même hier soir. Pourquoi êtes-vous allé dans le bâtiment interdit? Je m'étais trompé. Je n'en crois pas un mot. Les mensonges que vous avez dit, la façon dont ils se sont conduits envers vous, la manière dont se comporte mon mari, cette histoire d'actionnaire visiblement fausse. J'ai la nette impression qu'il se fabrique autre chose que des machines-outils dans cette entreprise. Vous savez ce qu'il en est et c'est pour ça que vous êtes ici. C'est exact. La puissance étrangère pour laquelle travaille votre mari est en train de préparer une invasion. Une invasion? De quelle puissance voulez-vous parler? Je ne peux pas vous le dire. Pourquoi ne le pouvez-vous pas? Vous venez d'accuser mon mari de trahir son pays. Et maintenant vous reculez, vous refusez de préciser. Je n'accepte pas une accusation aussi vague. Ce sont des êtres différents de nous. Des créatures d'une autre planète qui essaient actuellement d'envahir la Terre avec la collaboration de votre mari. Et ça, c'est clair. Des êtres venant d'une autre planète. Vous ne croyez pas cette histoire, non? J'ai vu une de leurs soucoupes volantes. Mais tout le monde prétend en avoir vu. Je les ai vus, eux également. C'est un privilège qui vous est réservé? Je ne suis pas le seul. D'autres les ont vus. Mais je pense que ces gens-là veulent garder le secret. Vous aussi, vous les avez vus? J'en ai vu, moi? Oui, à l'usine. Ils ont des mains dont l'ossature diffère de la nôtre. L'auriculaire est différent. Je refuse de vous croire. Pourquoi Georges travaillerait-il pour eux? Demandez-le lui. C'est une plaisanterie idiote. Une farce stupide et d'un goût très douteux. Je n'apprécie guère votre sens de l'humour, monsieur Baxter. Ça suffit maintenant, retirez-vous. C'est la vérité. Au revoir.
Dan. Dan, revenez. Dites-moi ce que je peux faire pour lui. C'est Edward McHenrick qui vous parle pour vous relater l'émouvante cérémonie qui se déroule aujourd'hui. Dans quelques instants, le sergent George Vicor, à qui vient d'être décernée la médaille qui consacre sa valeur militaire et son courage, s'avancera pour recevoir les félicitations des 98 membres du corps législatif. Le 23 octobre 1952, à la tête de sa section, le sergent Vicor a conduit ses hommes à la victoire et à la gloire. Pendant 3 mois, toutes les tentatives en vue de prendre la colline 317 à l'ennemi avaient échoué. Mais par ce triste matin d'octobre, le sergent Vicor, lui, n'a pas échoué. Voyant tomber successivement tous ses hommes, luttant pied à pied, il est arrivé au sommet, seul, ayant tué personnellement plus de 30 soldats ennemis. Puis, gravement blessé, a averti par radio son quartier général que la colline 317 était enfin nôtre. Oui, c'est un moment de notre histoire qui ne pourra jamais... Oh, mais le voici! Le voici qui arrive! Mesdames et messieurs, le sergent Vicor vient de faire son entrée. Bonsoir, madame Vicor. Bonsoir. Mon mari travaille tard. J'ai pensé que ça pourrait lui faire défaut. Voulez-vous lui remettre? Bien sûr, madame. Merci. Thank you.
au maximum la fabrication des tubes. Je crois que nous en aurons suffisamment pour les nouveaux arrivants. Vous croyez? Monsieur Vicor, c'est une certitude qu'il me faut. Sans ces tubes, nous ne pourrons pas conserver notre apparence humaine. Il n'est donc pas question que je me contente de vagues promesses. Dans très peu de temps, nous serons ici plus de 1000. Je veux que vous me donniez absolument toute garantie que les tubes seront fabriqués et en état de fonctionner en temps voulu. Très bien, vous les aurez. Et il faudra me donner plus de... Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Quand l'a-t-on apporté? Bon, très bien, je descends. Ce sont les renseignements que j'ai demandés au sujet du nouveau chauffeur. J'ai fait faire une enquête. Oui, je sais. Identité véritable, David Vincent, architecte, Santa Barbara, Californie. A déjà parlé d'être extraterrestre à la police, à des personnages officiels et à la presse. Nexus à l'appareil, des ennuis, prendre toute disposition. Merci. Oh, s'il vous plaît, pouvez-vous vous arrêter un instant? J'ai besoin de votre aide. Mais bien sûr. Allez, montez, monsieur Vincent. C'est vous, Dan? Enfin, j'étais mortellement inquiète à votre sujet. Vous êtes seule? Oui, seulement il faut que je vous dise. Ils sont venus à votre recherche tout à l'heure. On devrait avertir la police. Non, pas la police d'ici. Ils y ont placé des gens à eux. Je ne vous comprends pas. Non, je disais qu'ils sont des gens à eux dans la police locale. Il faudrait voir le bureau du FBI à Miami. Voulez-vous que je les appelle? Non, il faut d'abord que je sorte du secteur. Est-ce qu'on pourrait prendre votre voiture? Oui, bien sûr. Où êtes-vous? À un endroit appelé la taverne Wilson. Wilson, attendez... Oui, je sais où c'est. Je pars tout de suite. Je vous rejoins dans une demi-heure. Vous n'avez pas eu d'ennui? Prenez ceci. Merci. Il faut filer. Je vais conduire. Restez là, monsieur Vincent. Vous n'irez pas plus loin. Vincent? Comment m'avez-vous trouvé? C'est elle qui nous l'a dit. Vous avez mis des micros chez moi, mais la police n'a absolument pas... Ça n'était pas la police, madame. Allez, montez en voiture, Vincent. Merci, sergent. Je les prends en charge tous les deux. Je regrette beaucoup, monsieur. J'ai des instructions. Non, non, permettez.
Monsieur Nexus m'a bien clairement spécifié que je devais. J'ai dit que j'allais m'en charger, sergent. Surveillez les autres issues. Nous vous attendrons le temps qu'il faudra. Cet homme est entré par effraction dans l'usine. Pourquoi te fais-tu sa complice? Georges, je sais qui sont exactement tes soi-disant nouveaux actionnaires. Je sais aussi pourquoi ils sont ici, ainsi que la collaboration que tu leur apportes. Quelle sorte de perfidie lui avez-vous dite? Elle est au courant de ce qui se passe, de la manière dont vous opérez les mutations, de la fabrication des fameux tubes. Et est-ce que vous lui avez raconté? Tu prends tes renseignements auprès d'un cinglé, Jackie. Sa véritable identité, c'est David Vincent. C'est un malade mental. Il est sujet à des hallucinations, il divague et raconte des histoires sur des faits qui n'ont jamais seulement existé. Emmenez-la à l'usine, dans le fameux bâtiment au troisième étage, qu'elle voit si je suis fou ou non. C'est un malade, Jackie, un cas très sérieux. Je veux quand même aller à l'usine, Georges. Maintenant. Georges, pourquoi fais-tu cette chose affreuse? Pour toi. Je veux que tu aies tout. Oh, chérie, mais j'avais tout, tu te rappelles? Voyons, Jackie, essaie de comprendre. Ils seront maîtres de cette planète. Et toi et moi, avec eux, nous dirigerons le monde. Nous aurons tout ce que nous pouvons désirer. Voilà un excellent marché. C'est le genre humain qu'ils demandent de vendre. Oui, notre fameux genre humain que je déteste. Des escrocs, des menteurs, des hypocrites. Quand je suis revenu de Corée, j'étais l'as, le combattant, le héros. Médaille, interview. Et on m'en a fait des promesses jusqu'à ce que j'ai quelque chose à demander. Tout ce que je voulais, c'était obtenir un prêt modique pour ouvrir un petit atelier. Oh, Georges. C'est là que j'ai vu ce que valait l'humanité. Ils m'ont dit qu'un homme qui avait été trépané représentait du point de vue financier un trop gros risque. Ne nous en veuillez pas, mon vieux. Les affaires sont les affaires. Pour qu'elle vous rapporte votre médaille, mettez-la au clou. C'est le seul système. Leur promesse, allez, j'ai vu ce que c'était. Mais moi, j'ai pris un engagement, par contre. Je me suis juré qu'un beau jour, c'est moi qui prendrai en main les décisions. Moi qui dirai oui ou non. C'est une bonne chose que vous soyez appelé à de si hautes destinées. Vous pourrez lui faire de belles funérailles. Elle en sait trop long à présent, ils la tueront. Jamais ils n'oseraient. Ils n'oseront pas la toucher. Je serai là pour y veiller. Comment ? Vous voulez le monde? Eh bien, quand vous l'aurez, qu'allez-vous en faire? Leur donner pour qu'ils le détruisent? Non, ils me détruiraient, moi, avant. Et c'est ce qu'ils feront de toute façon. Ils vous tueront, c'est évident. Quand vous ne lancerez plus d'aucune utilité, vous possédez toutes les pièces à conviction pour les éliminer. Georges, chérie, accepte de nous aider. Tu es le seul qu'ils puissent. Je te jure que je n'ai pas songé un instant que tu pouvais être en danger. Je n'avais pas réalisé... Tu fais quelque chose maintenant que tu... Il faudrait agir vite, vous ne croyez pas? Très bien. Seulement, ça va me demander un plan d'action. Il faut me faire confiance. Qu'on me laisse faire à mon idée. Il y a une comédie à jouer. Sinon, c'est pour vous deux la mort certaine. Donnez-moi le temps d'aller jusqu'au FBI, c'est tout. En route maintenant. Sergent, emmenez M. Vincent à l'usine. Ne le quittez pas des yeux, surtout. Je regrette, monsieur, mais monsieur Nexus m'a recommandé... Nous avons besoin de lui là-bas, aux fins d'interrogatoire. Enfermez-le dans mon bureau jusqu'à ce que monsieur Nexus et moi nous vous fassions signe.
Venez, monsieur Vincent. En route. Je crois qu'il est en sécurité. Je t'ai dit d'avoir confiance en moi. Rentrons à la maison, j'enverrai chercher la voiture plus tard. Tu vas tenir ta promesse, n'est-ce pas, Georges? Tu crois que je voudrais qu'il t'arrive quelque chose? Oui, mais... et David Vincent? Ne t'inquiète pas pour lui. Tu devrais un peu monter te reposer maintenant. Je vais téléphoner à Nexus et régler cette affaire. Entendu. Jackie. Tout ce que tu as découvert ce soir, tout ce que j'ai fait, tout ce que... Écoute, Georges. Après, plus rien ne comptera que nous deux. Plus rien. Faites-vous ici. Justement, je voulais vous téléphoner. David Vincent est à l'usine, gardé à vue dans mon bureau. Et où se trouve votre femme? Elle est montée. Pourquoi? Non. Non, mais où allez-vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Non. Non! Jamais je ne vous laisserai faire. Vous n'avez pas le droit. Laissez ma femme. Vous avez Vincent, cela doit vous suffire. Je vous jure qu'elle ne nous causera plus de désagréments. Georges, comment tu t'es décidé à monter? Lâchez-la, espèce de voleur! Lâchez-la tout de suite! Vicor, n'insistez pas! Nous devons tous faire des sacrifices. Je vous ai livré Vincent, je crois que ça devrait vous suffire. Qu'il la lâche, je veux que vous leur en donniez l'ordre! Elle ne souffrira pas, ce sera un simple suicide. Une jeune femme malheureuse qui s'adonnait à la boisson, conduisait trop vite, et qui, en fin de compte, a ouvert le gaz. Oh non, Georges, ne me laisse pas. Georges, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux pas vous laisser la tuer. Dois-je vous redire? Dois-je vous remettre en mémoire toutes les récompenses, les honneurs qui vous attendent? Vous serez riche et puissant au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Vous aurez sous votre empire des millions d'esclaves dont vous serez le maître. Vous êtes un homme de bon sens, monsieur Vicor. Allez-vous abandonner tout ce qui vous attend pour si peu? Allô? Hein? On fait le nécessaire tout de suite. Thank you.
Jackie. Oui, elle est sauvée. Je suis arrivé juste à temps, oui. Une bonne idée que vous avez eue de me donner ce revolver. Oui, je suis bien d'accord. Laissez-les croire que c'est moi le responsable. Je sais qu'on préfère en haut lieu que vous ne soyez pas impliqué. Vous êtes un homme clé, Georges. Et le seul qui puisse contribuer à détruire ces monstres. Jackie dit qu'elle pense à vous. Que vous avez eu de me donner ce revolver. Oui, je suis bien d'accord de leur laisser croire que c'est moi le responsable. Je sais qu'on préfère en haut lieu que vous ne soyez pas impliqué. Vous êtes un homme clé, Georges. Et le seul qui puisse contribuer à détruire ces monstres. Jackie dit qu'elle pense à vous. Non! Ce qu'il dit là est faux. Il ment, il m'accuse pour me faire condamner. Je ne vous ai pas trahi. Je vous dis, je vous jure qu'il m'accuse à tort. Je ne vous ai pas trahi. Je ne vous ai pas trahi. Du nouveau? Non, rien. Ils ont tout détruit. Il ne reste plus une seule pièce à conviction. Croyez-vous qu'ils nous poursuivront encore? Non, plus maintenant. Plus maintenant que votre mari est... Il aurait succombé à une hémorragie cérébrale, d'après la police. Mais c'est faux. Il y a des années qu'il a commencé à mourir, quand on lui a donné ceci. Il faut posséder un grand courage pour les mériter. Et pour faire ce qu'il a fait. Il faut que je vous quitte. Pour aller où? À leur poursuite. Et pendant combien de temps le poursuivrez-vous ainsi? Aussi longtemps qu'il faudra. Au revoir. David! Les envahisseurs sont partis vers d'autres lieux. Et David Vincent se lance sur leurs traces. Car il faut les arrêter, les démasquer à tout prix. Et si lui ne le fait pas, qui le fera?